Salut à tous, c'est Ryu, et on se retrouve dans un épisode 28 de The Witcher 1. Donc là, on se retrouve après avoir battu le professeur et avoir fait écrouler la grotte sur la reine Kikimorse. On s'est fait arrêter par la princesse Ada qui voulait notre peau et qui complotait avec la salamandre. Triss a pu nous sauver et nous nous retrouvons donc à Autrouble, un petit village qui pour l'instant m'a l'air assez sympathique. Donc je pense que cet épisode, on va visiter un peu le village, parler aux habitants et récupérer les quêtes. C'est parti. Ah, Jeskier, toujours en train de faire danser les gens. Salutations, sorceleur. J'ai entendu beaucoup de bien sur votre confrérie. C'est rare. Habituellement, on me traite comme un lépreux. C'est bien vrai. Oh, pas dans ma demeure. Lorsque j'étais enfant, j'ai souvent entendu raconter comment un sorceleur avait sauvé mon grand-père pour une pièce d'argent. Ça doit remonter à longtemps. Je m'appelle Geralt. Eh oui, une époque révolue. Moi, c'est Julianne. Enchantée. Qu'est-ce que tu vends ? Des bijoux ? Ok. Très bien. Alors ouais, j'ai pris quelques quêtes. J'ai pris uniquement les trucs sur le panneau d'affichage. Donc il y a Alpire, Basilic, Dévoreur. Ouh, 10 dents de Dévoreur, c'est beaucoup. Carapace en chitine et les wyvernes. Et les œufs de wyvernes, je crois qu'on les a déjà. Je vais voir à la banque. Que puis-je ? D'ailleurs, c'est lui qui les veut. Une chose. 3 œufs de wyvern. Il manque plus qu'à les trouver dans tout ce bordel. Alors, moi je vois la viande ici. Trouver. Que puis-je pour. J'ai vu votre annonce. Ah. Il me faut des œufs de wyvern pour mes célèbres omelettes. Et en voilà 3. Magnifique. Et voici votre argent. Parfait. Ça commence bien cet épisode. Il faut savoir se reposer. Tiens. Ta mère aime sucer des nains. Tu fais que regarder. Le roc. Je t'ai éclaté. On raconte que vous avez battu le gros Fred et flageolé. Et Gabloda, je cherche un adversaire sérieux. Vous frappez à la bonne porte. On m'appelle le Roc. Ça fait froid dans le dos. Un vrai champion, ça ne vous fait pas peur ? Quel est l'enjeu ? 500 orins. J'en suis. Quelqu'un veut se battre ? Oh, j'ai dû me mute. Attends, j'ai éternué, excusez-moi. C'est le Roc. Il me met dans tous mes états. Hop, clic gauche, clic droit, crochet, du droit, du gauche. Alors le roc. Dans ta tronche. Je vous ai fait un réflexe draconien pour l'éternuement. J'espère qu'on n'entendra pas, c'est pas. Félicitations, champion. Avant de recevoir votre récompense, sachez qu'un autre combat vous attend. Ah, encore. Contre qui ? Allez dans les marais affronter le sans-nom. Choisissez votre récompense. Le sans-nom. L'acier météorique. Météoritique. Ah ouais. La meilleure rune. Bah. L'acier, on a la meilleure rune. La meilleure rune. Voilà. Ah, rune de la lune encore. Parfait. Je dois défier le sans-nom en cimetière. Ok. Bah alors, Jeskier, qu'est-ce qui se passe ? Geralt,
Que s'est-il passé à Vizima après ma disparition? J'en suis parti assez vite, mais il paraît que tu as fait un carnage. Il est parfois nécessaire de tuer. Ne va pas te vexer, mais tu ne prendrais pas plaisir à tuer les gens. Pas uniquement les monstres. Hein. Pas tellement, mais... Les membres de la salamandre et leurs alliés méritent la mort. J'espère que tu sais ce que tu fais. C'est le cas. Geralt. Très clairement. Tu aimes la campagne? J'adore! Oh, le vin! Il est au paradis. Les femmes! Regardez, et puis chanter et jouer au dé toute la nuit! Au dé? Je sais jouer. Je ne pensais pas que ce jeu était connu en province. L'engouement des gens d'ici est incroyable! Je doute de trouver un seul joueur à mon niveau. Et c'est avec moi? Je suis aussi bon joueur de poker que poète. Je le croirai quand je le verrai de mes yeux. Quand j'en aurai fini avec toi, va te consoler chez les elfes. L'un d'entre eux se défend pas mal. L'arnaqueur. Plus tard. On verra ça plus tard, Jaskier. Ok, ça me va pour l'identité. Geralt. Considéré comme un arnaqueur. Plus tard. Bon, eh bien, on a fait le tour ici. On va continuer nos péripéties. Par où on passe ça? Ah, c'est bon. Les sorceleurs aiment les histoires de monstres, non? Oui. Je vous dirai ce que je sais sur les vampires. Mais d'abord, vous avez quelque chose à manger. Un petit cerveau de noyeur? Pour qui vous prenez-vous? Les... Ouais, bon. J'ai pas de bouffe sur moi. Ah, Abigail, c'est celle du chapitre 1, je crois. C'est la sorcière à qui on a aidé à se faire tuer par le révérend et tout. Bah, apparemment, elle crèche ici maintenant. On a chopé de la bouffe dans sa maison pour la vieille. Bon, on va lui parler. Serait-ce encore Geralt? Salutations, Abigail. Vous vous êtes installée ici, finalement. On m'a accueillie à bras ouverts. Leur guérisseur est mort l'hiver dernier. Si tu veux, je te révélerai leur plus grand secret. Vous n'avez pas changé. J'ai mis au point un onguent spécial en approfondissant les recherches de mon prédécesseur. Il fait briller le cuir de leur vache. En fait, j'ai changé. Qu'est-ce qui t'amène ici? Tu ne voulais pas simplement me revoir? Pourquoi n'habitez-vous pas le village? Les sorcières ont toujours vécu à l'extérieur des villages. On ne peut rien échanger. Abigail, vous vous souvenez de la grotte? Il ne sert à rien de remuer le passé. Alors, est-ce que j'ai des trucs peut-être chimiques? On va lui donner une petite cuisse de poulet à la mamie, là, pour qu'elle nous raconte son truc. Ok, bah, elle est partie. C'est peut-être elle. Oui. Attention aux alpires, ces horribles vampires aux dents acérées. Telles des chattes, elles rampent en silence jusqu'à vous, puis vous sautent à la gorge. Elles s'introduisent dans les maisons souvent sous l'apparence d'un chien noir et sucent le sang des dormeurs. Okay. Seule la foi passionnée repousse les alpires. Le soleil levant les réduit en cendres. Les alpires fuient aussi les vierges. Et on en trouve bien peu de nos jours. Passionnant. Ok. Bon bah, on lui a donné son repas du midi, quoi. Alors, on va vers le village.
quelques petites récoltes sur le chemin. Les signes là-bas. Et le prieur, ça c'est pas mal pour le vermillon et tout, c'est vraiment cool. Ok, l'entrée est là-bas. Tiens, forgeron, je vais pouvoir vendre mes affaires. Ne vous approchez pas de nos Rousalka, sorceleur. Je sais pas ce que c'est, du coup, je sais pas trop ce que c'est. Si je vais m'en approcher. Un client. C'est si surprenant? Les gens n'achètent pas d'armes à eau trouble. Je ne suis pas aussi bon vendeur que mon père. Votre père? Il veut que je vende des armes. Mais je n'ai pas d'acheteur. Enfin, vaut mieux pas discuter avec lui. Il préfère que vous soyez occupé, non? Peut-être. Je dois rester assis et vendre aux clients. C'est moi qui vais te vendre des trucs. Oh, il est bien ce glaive. Il est vraiment bien même. Désarmant, douleur et coup précis. Ok, bah au moins on sait qu'on a un bon glaive. Douleur, incinération et aveuglement. Chance d'effet critique. Mais là c'est... Ok, ça augmente davantage les dégâts. Ouh, elle est bien celle-ci. Incinération, aveuglement, en vrai pas besoin. On va lui parler. Salutations. Bonjour. Que puis-je faire pour vous? Qui êtes-vous? Un maître artisan à votre service. Je répare toutes sortes de choses, je fabrique des objets classiques ou insolites, et puis je suis un forgeron habile et créatif, un charpentier. Vous êtes très polyvalent. Il fallait bien gagner ma croûte, alors je me suis diversifié. Et puis, j'ai un passe-temps très onéreux. Un passe-temps? Avec les miens, nous mettons au point une machine volante. Nous en avons construite plusieurs, mais aucune n'a marché. Il faut payer les frais médicaux du pilote. Je vois. Oui? Ok, là des formules. Bon, j'ai déjà tout apparemment. Ok. Invité au mariage. Porte de la maison du forgeron. Maison d'Adam. Vous êtes différent. Oiseau de mauvaise augure. Le chef. Ah, c'est elle, leur grosse vache, du coup. Elle donne 10 litres de lait par jour. Regardez-la bien, monsieur le sorceleur. Vous êtes pas prêt d'en voir une autre de vache comme ça? Elle est impressionnante. Regardez cette peau luisante. Ah, cette queue. Ils sont fiers de cette vache. Nous comptons la coupler avec un taureau de bourg-taureau. Ça va être quelque chose. Le ruminant le plus célèbre au monde. Sans doute. Ah, notre fraise est si belle. C'est fraise, à d'accord. Plus tard. Ok. Vache de concours. Vache de concours. Maison du boulanger. Ah. Chez le boulanger. Le boubou. On va prendre le pain comme prévu. Pour les elfes. On peut pas passer. Comment on fait? Attends, je vais faire le tour, mais bon. Lol quoi. Où est mon chat? Ah bah carrément, en fait c'était juste dans un placard. Tu lui voles comme ça, c'est grave. Allez. Vous avez été alléché par l'odeur de mon pain frais? Ouais, carrément. On peut dire ça. Tout est fait avec les meilleures farines. Et un ingrédient secret donné par une nymphe reconnaissante. Je voudrais quelque chose. Que puis-je pour vous? Vous savez ce que font les sorceleurs?
Bien sûr. C'est comme les magiciens. Mais en pire. Ça, ouais. En pire. Ouais, leurs couilles sont ratatinées. Oh. Mmh. Je vous laisse. Vous en avez un dans votre famille? Pas de chance. Lol. Vous avez d'autres ingrédients secrets? Je crains que non. Il y a cette recette que j'ai jamais pu essayer. Qu'est-ce que c'est? C'est secret. Il me faudrait du miel blanc, mais je ne sais même pas de quoi il s'agit. C'est ça? Du miel blanc? Incroyable! Je vais pouvoir essayer ma recette secrète! Je peux? Prenez la poupée et partez avant que je change d'avis. Ouais. Poupée en sucre, c'est tout. Ça pue la merde. J'aurais dû garder la poupée en sucre. Bah, j'aurais dû garder mon miel blanc. Vas-y, je te fais la gueule. What the fuck? Vous êtes différents. Intéressant. Mon vieux boulanger, Alina, Adam, chef du village, Célina. Voilà, il n'y a que des... qui finissent en A. Ah. Oh. On va y aller dans la maison de Célina. Je sais pas qui c'est. Hop, on prend tout. Allez, on va te parler. Oui. J'aimerais vous parler. Je ne suis pas d'humeur. Ah bah, c'est aussi simple que tout, moi. Bah moi non plus, du coup, j'ai pas envie de te parler. C'est comme ça. Oiseau de mauvais augure. Alors, le chef du village... La tête qu'il a, quoi. Ah, sa maison, elle a l'air d'être un peu plus riche que celle des autres. Il y a de la viande à foison. Allez, on va lui parler. Salutations! Ah, il a l'air... Bonjour. On vous appelle comment? Gérald de Rive, sorceleur. Quelle chance! Deux sorceleurs rien que pour nous! Oh! Oh, je suis Tobias, le chef du village. Oh oh. Alors, débusqueur de monstres, qu'est-ce qui vous amène? Il y a des non-humains ici. Des elfes plutôt mal aimables vivent sur les rives. J'ai voulu leur donner le reste de nourriture, ils m'ont jeté des regards si froids que j'ai failli geler sur place. Des gens bizarres, hein? Mais ouais. J'ai déjà fort à faire ici. Il va y avoir un mariage, je crois. Oui, ma chère enfant Alina épouse un homme élégant et honnête, que le travail ne rebute pas. Vous savez à quel point trouver un bon mari à sa fille réchauffe le cœur. Non? Oh, les gens comme vous ne pensent qu'à se battre. Pas tous, mais vous auriez du travail pour un sorceleur. Nous en parlerons plus tard. Vous auriez du travail pour un sorceleur? Une espèce de poisson avec des jambes apparaît près du lac. Okay. On dit que la crypte des champs abrite un monstre. On dirait une belle-mère avec des dents gigantesques. Horrible, ce qu'on dit. Il y a des récompenses pour ces créatures? Ah, c'est des... Apportez-moi la preuve de leur mort. Okay. Et je serai c'est comme généreux. Le chasseur du roi. C'est dites-moi davantage. À quel sujet? Alors... Je voudrais parler du cas des Vodianoï. Julian se charge de cette grosse affaire. Une grosse affaire? Il remonte des trésors du fond du lac. Il les restaure et les vend sur les marchés de Vizima. Ok. Adieu. Bah, au moins... Il y a deux gros monstres à faire, du coup, dans les alentours. Il y a toujours du travail pour un tueur de monstres.
On va aller à la maison d'Alina, je pense. Et ça, je vais enlever la croûte de la taverne. Le concours. Ils sont peut-être en... J'adore. Ok, rien de bien intéressant, il n'y a personne. Famille Forgeron, d'accord. C'est vrai que s'ils ont un enfant, forcément. On va lui parler. Salut, qu'est-ce qui vous amène? Des odeurs envoûtantes. Je cuisine une choucroute traditionnelle de Temeria. Vous auriez du travail pour moi? Si je me souviens bien, un sorceleur, c'est une sorte de guerrier magique. Je tue les monstres, noyeurs, kikimors. Je pourrais bien avoir besoin de vous. Du travail? Oui, mon mari me cause de ses soucis. Que vous arrive-t-il? Ce vieil imbécile s'est déniché une succube. Il croit que je l'entends pas forniquer la nuit. Et je dois vous débarrasser de la succube. Maman m'avait appris un vieux remède de grand-mère. Il me faut 9 poignées de poussière de lumière extraites des cheveux des spectres de midi qui dansent dans les champs. Okay. Et mon salaire? Ce manuel d'herboriste avec la liste de toutes les plantes du coin. Rapportez-moi de la poussière pour chasser cette succube et il est à vous. J'accepte. Très bien. Bah, moi, je veux juste XP. Vous devez être une excellente cuisinière. Oh, ce n'est rien. Mon mari a tué un cochon et j'ai eu envie d'une choucroute. J'ai d'autres spécialités. J'ai l'estomac dans les talons. Vous êtes bien maigre. J'ai fait des côtelettes à l'hydromel hier. Vous en voulez? Non, merci. Ouais. Vous, monsieur, par ici, je vous prie. C'est à quel sujet? J'ai entendu votre conversation avec ma femme, et j'ai une offre à vous faire. Vous n'avez pas l'intention de vous séparer de votre adorable démon? Ma femme accorde trop d'importance à d'innocents batifolages. Vous êtes un homme, vous me comprenez, non? Que me proposez-vous? Un vulgaire charme suffira à endormir la succube pour un moment. Ma femme se calmera, après quoi je pourrai gentiment réveiller ma succube. Que vous faut-il? 9 poignées de poussière d'ombre de dévoreurs. Ils sortent dans les champs la nuit, et sont très dangereux. Que me proposez-vous en échange? J'ai du météorite rouge qui peut améliorer votre glaive. Ou, si vous préférez l'or, disons... 500 orins? Je sais pas, hein, franchement... Désolé, j'ai promis à votre femme de l'aider. Oui? Que vous faut-il? 9 points. J'ai dû mettre... Désolé. Oui. Adieu. Je devrais peut-être déménager. Ouais, enfin... Je sais pas trop quoi faire. Enfin genre, qu'est-ce que... Ok, super. Maison d'Alina, on va y aller. Bonjour. Salutations. Je suis Gérald, le sorceleur. On dirait un nom tiré d'une ballade d'amour de Jasquier. Comme c'est flatteur. Sorceleur. C'est comme chevalier, non? Vous affrontez le mal et les méchants? Jasquier a dû décrire mon métier avec force détail, non? La balade était si romantique. Des amoureux liés par le destin, dont la rencontre était impossible. Du pur romantisme. Ah ouais. Je vais bientôt me marier. Qu'est-ce qui vous amène? Vous vous occupez d'Alvin? Oui. Vous ne trouvez pas ses grands yeux magnifiques? Malheureusement, mon futur mari refuse d'adopter Alvin. Je pourrais parler à Alvin? Oui. Soit il est au village, soit il donne un coup de main à la maison. Là, je le vois juste derrière. Attendez. J'ai un service à vous demander. Si vous passez par la taverne, pourriez-vous regarder si mon fiancé s'y trouve? Et voir aussi si vous pouvez trouver ma sœur, Célina.
Votre fiancé passe son temps à la taverne ? Nous ne nous parlons pas. Il est très contrarié. Nous avons eu des mots au sujet d'Alvin. Une dispute ? Déjà ? Julian veut qu'on fasse un enfant à nous. Il veut envoyer Alvin au temple de Militel ou en faire un sorceleur. Hop. Vous le trouverez à la taverne. Je vois. Je vais aller voir sa sœur, mais bon, elle m'a bien envoyé chier. Quelle traîtresse ! Déjà full. Salut Gérald. J'ai une nouvelle maison. C'est mieux qu'Avizima, mais tu m'as manqué. Tu te plais ici ? Oui. Et si on allait tuer des monstres ensemble ? Alvin, c'est très dangereux d'affronter des monstres. Promets-moi de les éviter autant que possible. Promis. Tu sais, il y a des elfes par ici. Et une qui est très belle. Mais elle s'est disputée avec Monsieur Tobias. On joue à tu elf ? Il faut vraiment que je vous parle, à Alina et à toi. C'est pas la faute d'Alina. Tous les enfants jouent à ça. Moi, je fais toujours le grand maître. À plus tard. D'accord. Ouais. Pourquoi ? Est-ce qu'Alvin s'est comporté de manière étrange ? Il a raconté d'horribles histoires. J'ai pensé qu'il délirait. Quel genre d'histoire ? Des fantômes condamnés à souffrir pour l'éternité à cause d'un amour non partagé. Okay. C'était si... Oh. Romantique, je sais. Je vais le chercher. Pourquoi êtes-vous à ma recherche ? Adieu. Qu'est-ce que tu racontes, Alvin ? Yes. C'est Adam ? Ah. Salutations. Je m'appelle Adam. Gérald. Je m'efforce de composer un poème d'amour pour Alina, ma bien-aimée. Demandez à Jaskier, le poète. On dit qu'il a du talent. Il dit que l'amour est ma meilleure source d'inspiration. D'ailleurs, il est en pleine manœuvre. Elle va se marier, donc. Des manœuvres ? Il courtise la fille du meunier pour rendre jalouse Mademoiselle Arlène. Une tactique éprouvée. Un vrai renard. Je peux vous poser une question ? Oui. Vous aimez Alina ? Vous savez qu'elle va se marier ? Je l'aime en secret. Alors soyez discret. Et le mariage n'a jamais été un obstacle à l'amour. Au revoir. Mais bon, compliqué. Ok, Jaskier. Je vais aller parler à Célina. À moins qu'elle m'en va encore chier. Ils sont à la taverne. D'accord. Les sorceleurs fabriquent des élixirs magiques ? Oui. J'aime passionnément un garçon. Vous n'auriez pas du parfum ? J'ai l'air d'une parfumerie ambulante. Je sais que vous savez en fabriquer. Je vous donnerai 50 orins. Parfum. Vous avez perdu la tête ? Oiseau de mauvaise augure. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Bon, il faut de toute évidence que j'aille retourner à la taverne. Et aller... Ah, c'est quand on est dans le village ? Quand je sors, peut-être que ça fait une autre carte. C'est ce que je vais faire. Ouais, carrément. Ok, pont effondré, reste de ruine, auberge. Il y a toujours du travail pour un tueur de monstres. Toujours du travail pour un tueur de monstres partout. Ok, ils sont en train de discuter là-bas. Merci pour la porte.
Bonjour, sorceleur. Salutations. Vous avez l'air d'humeur morose. Ma sœur va épouser un homme qu'elle n'aime pas. Je n'ai rien à me mettre pour le mariage, car notre père a mis toutes ses économies dans la dot. Et pour couronner le tout, il fait une chaleur d'enfer. Sinon, tout va pour le mieux. Que de problèmes. Puis-je vous poser une question ? Oui. Votre sœur est heureuse de se marier ? Elle est heureuse. Elle ne se soucie pas du tout de sa jeune sœur. Alina ne mérite pas tant de bonheur. T'es jalouse. Oh ! Je la hais, cette espèce de nymphette ! Madame a pris au piège ce Julian, un riche marchand de la cité. Et elle se promène, complètement insouciante. Ne vous minez pas. Vous trouverez un bon mari. Mieux que Julian ? Cet Adam, oh, je souffre pour le peuple. Quel minable. Et pourquoi pas l'ermite, tant qu'on y est ? Voilà mon choix. Vous avez vu la bague de fiançailles que Julian a offerte à Alina ? Elle est grave jalouse. Un diamant de la taille d'un œuf de pigeon. Du calme. Vous prenez son parti. Avouez-le, elle vous a envoûté. Oh, je la méprise. Elle ne vous aura pas. Je préfère me donner à vous tout de suite sur le premier rocher venu. Donnez-moi juste une bague plus belle que celle que Julian lui a donnée. Adieu. J'ai rien à faire de toi. Oiseau de mauvais augure. Mes aïeux. Bah là, on a de quoi discuter, ouais. On plonge à skier. Gérald, c'est toi ? Non, c'est J'ai trouvé Alvin. Alvin. Tris m'a demandé de faire quelque chose. Elle me l'a martelé pendant une heure. Ah oui, j'ai une amulette en diméritium pour lui. Jasquier, on ne peut vraiment pas te faire confiance. Oui, ça me rappelle que j'ai un paquet pour toi. Un paquet ? Ça a l'air trop difficile pour moi. Tu ne vas pas te mettre à bouder, Jasquier. C'est quoi ? Une lettre de ta bien-aimée. De Tris ? Donne-la-moi. Donne-moi ça. Mon doux Gérald. Tu as réussi à quitter la ville à temps, il vaut mieux que tu n'y reviennes pas pour l'instant. Mais j'espère que nous ne resterons pas séparés trop longtemps. Hélas, nos ennuis n'étaient pas terminés. Alvin a utilisé sa magie pour disparaître, mais je l'ai localisé et je t'ai envoyé à lui. Prends bien soin de lui, je t'en prie. Je sais que je n'ai pas besoin de te convaincre. Tu as fini par l'aimer autant que moi. Il est passé par bien des épreuves et ses pouvoirs magiques incroyables se sont réveillés. Quand il était avec moi, il n'avait pas la patience de suivre les cours de magie. Il disait qu'il préférait être explorateur et fouiller les vieilles ruines pour y trouver des objets magiques. J'ai joint à ma lettre une amulette en diméritium qui fait barrière à la magie. Ok. Tatris. Ok. Oui. Tout à la banque. Une chose, laquelle ? Gérald ? Je voulais vous interroger au sujet d'Alvin. Il a besoin de quelqu'un qui s'occupe de lui. De quelqu'un qui maîtrise la magie. Ni moi, ni ma future épouse ne sommes de taille à l'aider. Il est assez lucide. Je vois. Vous devriez le former pour en faire un sorceleur. Vous ne réalisez pas ce que vous demandez. Pour le moment, je veillerai sur lui. Gérald ? Quoi de neuf ? Je vais bientôt épouser la fille du bourgmestre du village, Alina. Nous sommes en plein préparatif du mariage. Adieu. Ok. Bouge pas. Gérald. Je dois répondre à cette lettre. J'ai un parchemin et de quoi écrire. Pense à un bon début. Bon. Cher Tris. L'amour te réussit, je suis ravi pour toi, Gérald. Je ne veux pas en parler. Et ensuite, quelques mots sur Alvin. Elle doit se faire du souci pour lui. Et je peux lui demander d'informer immédiatement Foltest des agissements de Ada. Ça l'intéressera peut-être. Assieds-toi et écris. Le pêcheur l'acheminera jusqu'à Vizima.
Ok. Je devrais me dépêcher. C'est tout? Comment lui faire parvenir cette lettre? Va voir le pêcheur. Il la portera jusqu'à Vizima. À plus tard. Lettre pour Triss. Quel beau parleur, ce Geralt. Nous avons fait le tour ici, hein. On va retourner au village. Comme c'est étrange. Voilà, on va retourner voir Alina pour Alvin. On est vraiment le coursier, quoi. Mais vous inquiétez pas, j'ai entendu les mots crypte et tout. Moi, je sens qu'il va y avoir du combat après. J'irai préparer les élixirs un peu plus tard aussi. Hop, il y a Alina qui est là. Êtes-vous à ma recherche? Je cherche Alvin. S'il n'est pas au village, cherchez du côté des ruines de Comte de Fées, non loin d'ici. Merci. Ok. Pourquoi êtes-vous à ma recherche? J'ai vu Julian et Célina ensemble, mais ne vous énervez pas. Célina faisait tout pour attirer son attention, mais il n'avait pas l'air intéressé. Célina est parfois insupportable, mais elle changera si elle se marie. Quant à Julian, okay, bon. Il m'aime. Et une petite dispute n'y changera rien. Je voulais juste m'assurer que Julian allait bien, sans qu'il sache ou pense que je m'inquiétais. Merci, sorceleur. Oh, elle est sympa, elle. Les femmes. Exactement. Route du pont, passage vers le lac, route de la taverne. Taverne. Pont effondré, reste de ruine. Ok. Elle est sympa cette petite musique d'ambiance. Mais elle cache quelque chose. On est beaucoup trop bien. Et le monde du sorceleur n'est pas fait que de bien. On revient vers le village, on va aller vers les ruines où il y a Alvin. Enfin, Alvin, pardon. Sanctuaire des Farfadets. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Ok, pourquoi pas. Oh, les petits Farfadets. C'est rigolo. Ah, il fuit. Une petite chapelle dédiée à une divinité. Qui vient ici? Trèfle à quatre feuilles. Symbole de chance, d'accord. Je sais pas à quoi ça va me servir, mais certes, ok. Salutations, vous n'irez pas plus loin. Le pont est détruit. Ça n'a pas l'air infranchissable. Par là, ce n'est que forêt et prairie à perte de vue. Merci de m'avertir. Vous n'auriez pas besoin d'un sorceleur. Vous êtes sorceleur? Oui. Monsieur? Vous avez du travail pour un sorceleur? L'œuvre de ma vie oscille au-dessus de l'abîme de l'oubli. Vous seul pouvez m'aider. Comment? J'ai fait un rêve. Les fantômes de la rivière m'ont appelé à la rescousse. Moi,
un humble serviteur de la Dame du Lac. La chance de ma vie de prouver toute ma dévotion. Bien sûr. Le vieux pont sur lequel je m'affairais est tombé en ruine. Mais les fantômes m'y sont très attachés. Ils veulent que je le remette en état. Comment puis-je vous aider ? Ce que mon fils et moi bâtissons le jour est détruit la nuit. Je parie que c'est un mauvais tour des farfadets. Mes services ont un prix. Préféreriez-vous 400 orins ou un livre sur les spectres et le roi de la chasse sauvage ? Ou mon fils peut vous prêter main forte si vous entreprenez un périple périlleux ? C'est un archer hors pair. Faisons affaire. Allez voir la vieille femme au village. Attention, c'est une sorcière. Mais elle sait peut-être comment chasser des farfadets. Entendu. Ok. Et lui ? Salutations, monsieur. Oublie donc le monsieur. Appelle-moi Gérald. C'est un grand honneur, monsieur. Gérald. Comment tu te débrouilles avec un arc ? Je suis le meilleur de tout le village. Je touche une pomme à 50 pas. Parfait. Oui ? Tu ne veux pas être maçon comme ton père ? Pas vraiment. Depuis que mon père a réparé notre cabane, les portes ne ferment plus. Les escaliers font même peur aux chats. Et quand il pleut... Je vois. Et puis, je préfère le tir à l'arc. Un jour, je m'inscrirai au tournoi de Vizima. Bonne chance. Oui. Ok. Adieu. Mille pattes géants. Ok. Bon, on va pas trop faire le malin. Mille pattes géants aussi là-bas. Bon, ben on va essayer d'en voir un. Qu'est-ce que ça donne ? Chelou, mais carapace en chitine et full vermillon, hein. C'est pas mal ça. Je pensais que c'était plus difficile à battre que ça. Très bien. Ça, mais là, on n'est pas bien là. Et en fait, ils arrachent la gueule. Une hirondelle là, au cas où. Alors Alvin, et genre t'es passé à travers tout ça. Oh, un fantôme. Alain, au secours ! Gérald de Rive lui-même, tu es célèbre au royaume des morts. Alvin, éloigne-toi.
Les fantômes invoqués peuvent être redoutables. Je voulais juste utiliser l'énergie, comme Triss. D'habitude, je suis gentil. Mais la solitude me pèse. J'aimerais qu'Alvin reste jouer au dé avec moi. C'est un garçon intelligent. Fiche-lui la paix. Alors il reste la solution classique. Jouons-le au dé. Le perdant laisse le garçon à l'autre. Tu n'as aucune chance. Allez, c'est parti. Je suis sûr de toi. Parfait. Hop, moi je mets tout mon fric. Vous allez voir si j'ai de la chance ou pas. Pour l'instant, on a un carré, ça va. Bien fait pour toi. On l'a tous eu. On a pas eu de chance. On est en train de voler l'argent d'un fantôme. Ok, bof, là on a juste un... Une paire, pardon. Et lui il a deux paires. Allez, on peut faire un brelan sur ça. Ok, on a deux paires. Et je crois que c'est lui qui gagne avec sa paire. Ouais. Et en plus, il en fout. Ok. Un, deux. Ah ! Pas de chance. Allez. Si on fait un 3, on a gagné. Bah, je crois qu'on a perdu. Je ne veux pas. Fantôme joueur. Ah, Gérald, fallait pas l'énerver. Sauvé. J'ai eu tellement peur. Tout va bien. Je sais. Qu'est-ce qui t'a attiré dans ces ruines? Triss m'a dit qu'un jour j'apprendrais des sorts. Ah bah ouais. Du coup, moi, j'aime la magie. Et l'ermite dit que les ruines sont magiques. Le bonheur ne dure qu'un temps. Je n'avais pas le droit de mettre Alvin en danger. La salamandre ne connaît pas la pitié. Rien ne l'arrête. On ne m'a pas formé pour être père. Je suis un sorceleur. Il m'arrive de le regretter parfois. Et de penser à eux. À elles. Triste ça. J'ai un cadeau pour toi. Regarde ce collier en diméritium. Les colliers, c'est pour les filles. Il a le pouvoir d'éloigner les cauchemars. J'en ai un, moi aussi. La même amulette que toi. Eh oui. Tu aimerais vivre avec Alina et Julianne? Je rêve d'Alina. Je la vois qui cherche dans les champs. Elle me demande de l'aider, mais je sais qu'on trouvera rien. Quand je me réveille, ouais, j'ai du mal à respirer. Dit tout à l'heure. Et je me sens mal. C'est juste des cauchemars, Alvin. Tu aimerais pas vivre avec des gens normaux? Les sorceleurs protègent des gens comme ça, simples, sans défense, normaux quoi. Mets le collier. Douane, regarde dans mes yeux, vois ta mort. Je ne veux pas entendre ça, t'es même pas humain. Alvin, comprends-tu la nécessité de cette action, quel qu'en soit le prix? Gérald, ouvre ton esprit. Ok, on a repris... Les os sont comme pétrifiés. Les os semblent complètement sans vie. Ok. Bon, eh bien, cet épisode est un peu plus long que prévu. Je vous dis à la prochaine pour un prochain épisode. Salut !